Marrakech. Dans le précédent épisode, nous nous étions quittés sur le point de découvrir le spa du club Madina. Alors, c'est parti! Les produits du Maroc que j'avais reçus, j'ai pas encore testé. Bonjour. C'est international. Yeah, avec mes surchaussures pour faire la visite de Hammam. C'est parti pour la visite de Hammam. Mais arrête, c'est toi aussi, tu dis la même chose que moi. Faut qu'il n'y en ait qu'une qui parle sur les deux. Tu veux du thé? Oh, merci. Alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu un colis à la maison. Et je n'ai toujours pas testé ce produit. Allez-y, je passe derrière vous. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement? Les tambours, c'est la plus légère des yeux de la vue. D'accord. Vous voulez jeter un coup d'œil? On va le voir d'ici, c'est vite. Oui, d'accord. Merci. On est des clients, je pense qu'ils sont très contents pour nous. Non, je vais pas trop. On va pas filmer. Je vais jeter juste un peu. D'accord. Moi je rentre pas. Bonjour, ça a été. Avec une magnifique vue. Et l'air frais, le soleil. Et la palmeraie. Non, moi je propose qu'on reste ici. Hein. Et après, on repartira 3 petits mois à New York. Ouais. Hein? Puis on visitera les autres pays, mais on... Voilà. C'est bien ici. C'est bien. Puis de temps en temps, on passera dire bonjour à nos mamans. Hein. Ouais, quand même. Quand même. Mais quand tu rentres chez toi... Tu déprimes. C'est comme après les croisières. Tu déprimes, c'est tout. Les sons, ils les entendent des fois. Ouais. La palmeraie. Et les capillaires aussi, comment je suis? Alors, le capillaire, c'est, je pense, c'est rose santal ou. Ça sent. L'avocat, qui suis-je, pensais. Ça sent. Douche, hein. C'est l'essence de Marrakech aussi? Oui, d'accord. Et donc là, le sauna. Le seau d'eau pour après le sauna, hein, quand vous sortez. Donc les douches à jet, et là, les douches d'expérience avec les 3 jets, 3 températures. Vous pourrez venir voir tout ça dans mon spa quand j'aurai un spa Julicius. Hein, les Julicius? Je te le souhaite. Pas ça. Les vrais hammam. Voilà. Avec la salle pour gommer, on fait un peu sombre, vous voyez pas très bien, mais là c'est des vrais hammams. Oui, c'est pareil. Ok. Voilà. Si tu veux bien d'accord, la préparation de la couture de dommage. D'accord. Non, mais le savon noir. Hein. Ouais. Attends, je m'en ai mis une bonne bande. Vous mettez le savon noir sans brûler les pores ou le sang, pour préparer la peau au dommage. Vous êtes resté un certain temps. Ah. Et s'il y a de le froid, on va construire le temps. Voilà. Ça va se faire. D'accord. Le froid et. Ici, la table avec le gommage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Hammam, mais lorsque vous faites donner la peau, vous avez des spaghettis. C'est des spaghettis, t'es gentil. C'est des spaghettis. Des petits rouleaux de. Des petits rouleaux de pâte à modeler. Tous les jours. Des petits rouleaux de pâte à modeler. C'est vraiment à un moment donné dans l'année, la peau a plus souvent de ce gommage intensif. A priori, le renouvellement, c'est lui. C'est pas forcément de la saleté, hein. C'est. Mais qui c'est qui dit que c'était la saleté? Il y a des gens qui pensent que c'est la peau morte.
fait, vous avez le renouvellement cellulaire qui se fait tous les 21 jours. Et donc, en gros, tous les 21 jours, vous avez des nouvelles cellules qui apparaissent sur votre corps. Quoi. Et c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous entendez parce que ça n'a pas le corps. Et donc, tous les 21 jours, il faut que vous renouveliez la peau. Et donc, vous venez au hammam pour cela, pour avoir une peau toute belle et toute douce. Faire masser à deux. Quelqu'un balai, tu ne filmes pas. Donc là, on est en cabine individuelle. Hein. Et en face. On a l'espace détente piscine. Donc un peu une petite salle de sport. Ouais. Et des fois, il y a des femmes qui veulent être tranquille. Voilà. Ouais. J'adore la serrure. Hein? La serrure, elle est top. Ouais, c'est à l'ancienne. Ouais. C'est vraiment la même traditionnelle en fait. Voilà. Avec le vin bien chaud. Tu sens l'eucalyptus? Et pour plusieurs fois faire la manucure et la pédicure, et on repasse dans le vestiaire pour vous sortir. Voilà, et c'était le spa du Marmara Delta. Là, c'était le spa du club Marmara de la Place. Hop, je suis derrière toi. Donc là, c'est aussi un autre club. On est dans le club Marmara qui est juste à côté du nôtre, donc le club de la classe. Là, on vient de voir le spa. Et on va vous faire un petit tour de celui-ci. Comme ça, vous pourrez bien voir et choisir entre les deux. Dès qu'on rentre celui-ci, on voit que celui-ci est tout de suite plus petit que l'autre. Le nôtre, vous avez vu, il était immense. Sachant que là, on est allé directement vers le spa et je pense qu'il doit y avoir une partie de l'autre côté. Ça, on verra au fur et à mesure. Il y a du monde. En fait, au mois de novembre, les canards de Blair Waldorf qu'on n'a jamais trouvé à Central Park. Ils étaient là en fait. Moi? Julie, elle a dit les canards de Blair Waldorf. Regardez une maman avec ses petits derrière là. Ils sont cachés dans, à l'ombre là. Ah oui, ils étaient là. Ils sont là derrière le rosier. Ah, là, il y a toute la famille. Ça me fait penser aux aristochats quand ils marchent là. Oui, d'accord, j'ai rien dit. Ils m'ont regardé. Ah ouais, ils se sont tous retournés. Qu'est-ce que tu veux? Et là, on a. Pardon. Des jolis pains. Ah, c'est des pains? Ouais. Ben. Vas-y, Sana. Tu parles lui pour voir s'il fait la roue. Normalement, il sent sa longue. Ouais, normalement, il y a une longue queue derrière. Ouais. C'est sûr que c'est peut-être des femelles. Je sais pas, c'est peut-être des femelles. Donc où est le mâle?
Puis des magnifiques fleurs, quoi. Nous, on a plus des bougainvilliers, ici, ils ont plus des rosiers. Quand je dis nous, c'est dans le club où nous nous, nous trouvons, et dans ce club-là, donc celui qui est à côté, le Del Atlas. Der Atlas. Je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Voilà, et ben là, on a plus des rosiers. Là, vous avez le snack bar. En fait, le snack bar, c'est par exemple quand vous avez si vous avez raté le déjeuner de midi, vous pouvez y aller de 14h à 16h. Ils servent des pizzas, des machins comme ça. Et après, à 16h, ils servent à le goûter, donc des crêpes, des choses comme ça. Là, la piscine. Là, c'est du côté où nous sommes arrivés. Donc, je pense qu'il doit y avoir le restaurant et la réception. J'essaye de pas trop filmer les gens, c'est pour ça que de temps en temps je filme le sol. Hein. Step touch, webvine, step touch, webvine. Et donc vous avez toutes les activités que vous pouvez venir faire. Hein. On est à la réception du Dar Atlas. Voilà, j'y arrive à le dire. L'architecture est vraiment magnifique au Maroc. Hein. Dar Atlas. On est là. Là. Et là, il y a Roi Zarzat. La cité du cinéma marocain. Et là, vous avez la boutique. Oh, ça sent bon. Ouais. Ouais, ça sent trop bon. Une copiteuse. Non, non, je crois pas, non. C'est le chemin entre les deux clubs. Donc là, vous avez le Dar Atlas. Tac, 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 tac. Et on marche jusqu'à là-bas, jusqu'au Madina. Au Madina, au Marmara Madina. Madina Marmara. Et dans notre hall. Bonjour. Des excursions donc qui sont que vous pouvez choisir en plus de votre forfait. Donc vous avez la découverte de Marrakech, les visites des souks, les soirées soirée Fantasia, avec tous les scriptices à chaque fois, le visite du plateau du Kik en 4x4, les excursions Telouette, les excursions cascades, visite des extérieurs, tout ça. Voilà. Puis là, vous avez le bureau avec tous les animateurs qui sont toujours présents, donc ils font une permanence. Donc dès que vous avez besoin, ben, vous pouvez aller là en chercher. La réception, pareil, tout le monde est là pour vous accueillir. Il n'y a aucun souci là pour vous poser, vous reposer. Il y a un petit peu partout les produits, l'essence de Marrakech, qui sont aussi proposés au spa. Donc vous pouvez demander à être informé sur les particularités de chaque chose. Et après, ben, vous les achetez quand vous avez envie, en fait. Voilà, voilà. Et là, moi, j'ai une petite soif. Hein. J'ai faim, on va aller boire un petit quelque chose. La boutique. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Ah, oh, c'est grave. Attendez, on va voir les animations. Là, c'est tout ce qui est à propos du spa. Les animations ce soir. Ce soir, il y a à 21h45 une nuit sur le plateau. Donc là, la pétanque, le beach volley, la boxe, celui qui va faire de la boxe. Voici le programme, réveil musculaire à 9h30, abdos fessiers jusqu'à 10h30.
Sana, elle veut aller aux atouts fessiers. Moi, j'ai pas envie. Alors, je sais pas. Allez, je vais la filmer. Et aérobic zumba. Moi, j'aime bien. Je préfère ça. C'est plus mon délire. Machin. Les activités qui se passent. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours Sana qui débarque derrière nous pour parler plus fort que moi. Alors que je suis gentiment en train de parler avec vous. Elle est grave cette fille. Hein. Qu'est-ce que t'as toi? Je suis en train de leur dire qu'à chaque fois qu'on est en train de discuter gentiment, elle et moi, t'arrives derrière. Parce que je pensais la même chose. T'arrives derrière. Non, mais c'est toi qui est arrivée là derrière nous. D'accord. Hein, c'est qui est arrivée? Vous êtes témoins les filles. Hein. C'est qui est arrivée? Et donc ce soir, on a une nuit sur le plateau. Ouais. Hein? Tu fais quoi? Je filme. Mais t'entends pring, tu crois que ça fait quoi ça cette...